C'est bon. Bonjour à tous. Donc je m'appelle Laurent Audouin, je suis basé à Poitiers, je suis illustrateur, enfin un petit peu auteur, mais surtout illustrateur. D'habitude, illustrateur, c'est-à-dire que je fais des livres tout le temps en fait. C'est mon métier à temps plein. Hein. Ça, c'est le dernier qui est sorti chez Sarbacane il y a 15 jours. Et puis aujourd'hui, je suis venu surtout avec une série d'albums qui s'appelle Les Aventures Fantastiques de Sacré-Cœur. Donc, c'est aux éditions Le Petit Lézard. Alors, pourquoi je suis venu avec cette exposition? C'est parce que, elle est un petit peu particulière, cette expo, parce que c'est une série d'albums, en fait, que je fais avec cet éditeur, Le Petit Lézard. Donc, on en a fait une douzaine. Et ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois que je fais un album, avec l'auteur Amélie Sarne, hein, à chaque fois que je fais un album, c'est ce qui sont les histoires d'un petit garçon qui mène des aventures fantastiques en plein cœur de Paris. Ce petit garçon est amené à chaque fois à créer des machines qui vont l'aider à résoudre ses aventures. Alors, je pense que c'est comment? Pardon. Voilà, c'est comme ça. Ok. Donc ça, c'est la série d'albums. Donc on en a fait 12, voilà, avec Amélie Sarne. Donc voilà ce que je vous disais. Chaque machine que le petit garçon va créer pour ses aventures, je vais les dessiner. Mais la particularité, c'est qu'avant de les dessiner, je les fabrique en vrai, en fait. Voilà. Donc, ayant 12 albums, on commençait à avoir beaucoup de machines. Et du coup, on a commencé à penser à faire une exposition. Voilà. C'est dans ce sens-là. Voilà. La machine que je vous ai apportée aujourd'hui, c'est celle du dernier album. Voilà, vous l'avez telle que dans l'album, et la voilà en vrai telle que je vous l'ai apportée. Voilà. Alors c'est fait qu'avec de la récupération. Alors je tiens vraiment à ça. Vous voyez, je récupère des phares, je récupère tout un tas d'objets qui sont devenus inutiles, et ça me permet quand je fais les rencontres scolaires aussi d'avoir une proximité avec les enfants. C'est-à-dire très souvent, ça leur donne envie d'aller aussi un peu plus loin et dans le process de création. Ils ont envie de rentrer chez eux, de voir leurs grands-parents, de voir un petit peu récupérer du matériel et aussi de bricoler. Cette idée de récupération me plaît énormément. Voilà. Donc ça, c'est une autre machine que j'ai faite. À partir d'une lanterne, vous voyez, j'ai récupéré un ventilateur, des morceaux de tuyaux d'aspirateur, des moules à gâteaux. Voilà. Et donc les machines font à peu près cette taille-là pour la plupart. Hein. Mais la particularité de l'exposition, on va le voir après, voilà, c'est que ça, c'était à la médiathèque d'Uzès, par exemple, où elle a été présentée, comme à Saint-Junien, parce que l'exposition est faite pour être en espace culturel et en médiathèque, surtout, en fait. Hein. Donc, il y a les machines en volume, mais en plus, pour que ce soit vraiment que le visiteur passe un moment sympa, je rajoute plein de machines additionnelles qui sont faites pour être manipulées par les visiteurs. Voilà. Là, on a les machines, mais vous voyez, il y a tout un tas de jeux. Il y a des vidéos qui tournent, il y a des jeux de cubes pour les plus jeunes. Les vidéos, on les voit. Donc, je récupère, vous voyez, ce sont des écrans numériques, hein, qui sont comme un décorum. Vous voyez, on a l'impression que ce sont des télés qui viennent de 1900, si c'était le cas. Et il y a tout un tas de machines qui sont faites pour que les enfants les manipulent pendant l'exposition. Avec des manivelles, ils vont faire apparaître les monstres. Là, dans celle-ci, on met les mains à l'intérieur et on a une boule plasma et on a tout un tas de... Enfin, il se passe tout un tas de choses. Donc, c'est vraiment un univers un peu 1900. C'est une sorte de cabinet de curiosité que j'ai fait. Donc, il y a, on va dire, une vingtaine de machines comme celle-ci à voir. Et puis, il y a une bonne douzaine maintenant de machines à manipuler par les enfants. Et puis, comme c'est une exposition aussi autour des ouvrages, on voit d'autres machines encore. Vous voyez, le casque qui est celui-ci dans l'album La momie du Louvre, c'est le casque à momie. Là, c'est le pistolet à momie. Donc, vous voyez, fait qu'il y a un pédalier, un saladier, un fouet de cuisine, les aspirateurs à fantômes qu'on voit là. Avec un, vous voyez, ça c'est ce qu'on a chez les charcutiers pour faire la chair à saucisse. J'ai récupéré tout un tas de choses comme ça. Il y a un côté un peu, on va dire, Ghostbuster à l'ancienne, hein, voilà, un petit peu dans les machines. Le robot là, donc c'est le robot de l'avant-dernier album, voilà, tel qu'il est fait là, avec encore tout un tas d'objets de récupération. Et puis l'exposition, parce que c'est quand même aussi autour des albums, elle s'accompagne de dessins originaux sous cadre et de tirages très grand format qui font 1m30 par 1m50. Voilà, vous en avez là-bas. Ça, c'était à Saint-Malo, en fait, il y a un an et demi, je crois, à peu près. Voilà, donc l'exposition, elle représente à peu près... Enfin, elle peut être modulable, hein, mais à peu près
entre 50 et 70 mètres carrés d'exposition, quoi. Je ne sais plus à Saint-Junien quel était le... Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Parce que, en fait, c'est ça aussi. J'aime bien quand c'est possible, intégrer, comme je disais, le travail des élèves. Parce que c'est vrai qu'avec l'école de Saint-Victurnien, c'est à côté de Saint-Junien. Je suis en contact assez souvent avec d'autres écoles aussi. Et j'aime bien quand on peut intégrer le travail des élèves dans le travail qui est présenté de mes albums. Voilà. Dernièrement, à Surgères, j'ai fait comme ça, il y a à peu près 2 mois, un atelier où, avec de la récupération, les enfants avaient récupéré des boîtes de conserve, enfin, des vieilles ampoules, etc. On a fait carrément une production de robots. Ils avaient à construire, chacun avait un cahier des charges, en fait. C'est-à-dire qu'ils avaient chacun 5 ou 6 objets maximum à récupérer. Voilà. Et puis, il fallait qu'ils créent aussi un robot. Donc, avec un petit pistolet à colle, on a assemblé les boîtes, les ampoules, etc. Et chacun est reparti avec son automate. Vous voyez, j'aime bien ce process de création et le rapport qu'on peut avoir entre enfant et le créateur, en fait. Voilà. Voilà, donc ça c'était donc à Saint-Malo, donc c'était à la médiathèque de Saint-Malo, donc le lieu est assez grand aussi. On voit les tirages qui étaient exposés ici, voilà. Voilà ce que je peux vous dire. En fait, c'est aussi merci de cette journée parce que c'est aussi l'intérêt. Comme moi je suis illustrateur, je suis en contact avec les éditeurs et toute cette exposition finalement c'est moi qui la gère entièrement. Et c'est vrai que avoir une journée comme ça pour la faire connaître, parce qu'elle ne fonctionne que par le bouche à oreille, cette exposition, c'est un vrai atout en fait, voilà pour moi. En ce moment, l'exposition, elle tourne pas pour la simple et bonne raison que Covid oblige et comme elle est à manipuler par les enfants, pas que les enfants, les visiteurs aussi, hein, adultes. Comme elle ne tourne pas en ce moment, j'espère que les choses vont s'arranger, bien sûr, évidemment. Et elle est censée partir à Alençon début mai et puis après à Bayeux à la rentrée, voilà. Et là, je suis venu avec la machine comme ça, mais voilà. Vous voyez, les caisses qui sont les caisses qui servent de support pour présenter les machines, ce sont les caisses que j'ai fabriquées, qui sont les caisses de transport des machines. Voilà. Elles participent aussi au décorum, ce qui fait qu'en fait, l'ensemble de cette exposition qui fait à peu près 27 caisses, ça loge en fait dans un véhicule utilitaire. Je sais que de temps en temps, ça arrive que c'est ce qui s'est passé pour Saint-Junien, pour gagner en coût. En fait, on peut bien la récupérer avec un véhicule utilitaire. Voilà. Sinon, elle part en camion. Voilà, quand elle est allée à Uzès, par exemple, c'était loin. Donc là, c'est un transporteur qui est venu la chercher. Voilà ce que je peux vous dire. Je pense qu'on n'est pas loin des 10 minutes, j'imagine. J'ai imprimé des petits dossiers en fait que je pourrais vous donner à l'issue hein, pour qui présentent un peu plus l'exposition. Voilà, j'en ai imprimé pour ceux qui le désirent. Il y a ce qu'il faut normalement en quantité. Voilà. Pour moi, je pense que c'est terminé. Je vous remercie.